Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Donc on reprend. Donc nous aimons Allah parce qu'il est notre Seigneur. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il est Rabb. Il est notre Seigneur. Ça veut dire quoi qu'Allah il est notre Seigneur? Ça veut dire qu'il fait tout. Il sait tout. Il entend tout. Il contrôle tout. Qui voit tout? Qui entend tout? Allah. Qui contrôle tout? Allah. Qui gère tout? Allah. Qui dispose de tout? Allah. Qui surveille tout? Allah. C'est pour cela qu'on aime Allah, tabaraka wa ta'ala, parce que c'est notre Seigneur. Et Allah, il est Rabbul Alamin. Il est le Seigneur de l'univers. Tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est Allah qui l'a créé. Tout. Qui a créé les étoiles? Allah. Qui a créé le ciel? Allah. Qui a créé la terre? Allah. Qui a créé les animaux? Allah. Les êtres humains? Allah. Qui a créé les anges? Allah. Les djinns? Allah. Les planètes? Allah. Qui a tout créé? Allah. C'est Allah Azza wa Jal, il est le créateur de tout. Et quand vous regardez, si on réfléchit sur toutes les créatures, tu réfléchis aux animaux, tu réfléchis aux arbres, tu réfléchis aux plantes, et bien Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous a créé de la meilleure des formes. Allah, il nous a créé de la meilleure des formes. Regardez les animaux, est-ce qu'ils peuvent parler? Non. Alors que nous, Allah, il nous a créé, on entend, on voit, on respire, on peut parler, on peut comprendre. Un animal, il n'y a pas la raison comme nous. Il ne distingue pas le bien, le mal, etc. Regardez comment Allah il nous a donné cette raison. Regardez comment Allah il nous a créé de la meilleure des formes. Regardez comment on a été créé d'une manière magnifique. Imagine, tu aurais trois nez. Hein? On aura un nez là et un nez là. Tu vois, oh, ce serait bizarre ou pas? Ouais. Hein? Et trois yeux. Ou imagine, nos oreilles seraient sur nos yeux. Comment t'aurais fait, hein? Ou ta bouche, elle serait dans tes pieds. Donc, regardez, subhanallah, comment Allah, Azza wa Jal, il nous a créé de la meilleure manière. Comment Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous a créé de la meilleure des formes. C'est pour cela que nous aimons Allah, parce qu'il nous a tout donné. Allah, Azza wa Jal, il nous donne tout ce que l'on a besoin. D'accord, les enfants? Également, nous aimons Allah parce que le plus grand cadeau, le plus grand bienfait, la plus belle chose qu'Allah nous a donnée, c'est quoi? C'est la vie. Encore plus important que la vie. La Mecque. Encore plus important que la vue. La Mecque. Encore plus important que la Mecque. La possibilité. Encore plus important de la prière. Très très bien, Hamza, viens. Tu vas dire à toute la classe ce que tu as dit. Là, c'est vraiment beau. Ce que tu viens de dire. Oui. La possibilité de l'adorer. La possibilité de l'adorer. C'est-à-dire que Allah il nous a guidés très très bien. Hamza, on lui fait un mumtaz. Allah il nous a guidés vers l'islam. L'islam qui est la plus belle des religions. Qui est la dernière religion. Qui est la seule religion qu'Allah il accepte. Est-ce que vous pouvez changer de religion? Si tu décides de changer de religion, est-ce que tu pourras aller au paradis? C'est impossible. Si tu n'es pas musulman, c'est impossible de rentrer au paradis. C'est impossible. C'est pour cela que toutes les autres religions, s'ils veulent rentrer au paradis, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent changer de religion et devenir musulmans. D'accord? Et c'est pour ça que nous, Allah il nous a guidés. Et on doit beaucoup remercier Allah Azza wa Jal pour ce bienfait énorme. D'accord? Et c'est pour cela que ça veut dire quoi que j'aime Allah? Qu'est-ce que ça veut dire j'aime Allah? Quand on dit j'aime Allah? Je fais tout ce qu'il me dit et je ne fais pas tout ce qu'il ne me dit pas de faire et tout ce qu'il m'interdit de faire. Bon bah Hamza vient encore de dire une réponse magnifique. Tu vas revenir et tu vas la dire, masha'Allah, la quwwata illa billah. Tu vas la dire à toute la classe. Oui. Je fais tout ce qu'il me dit et je ne fais pas tout ce qu'il ne me dit pas et tout ce qu'il m'interdit de faire. Exactement. Celui qui aime vraiment Allah,
Et bien automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va obéir à Allah. Et il va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, toujours dans surat Ali Imran. Allah dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ. Dis, si vous aimez véritablement Allah, فَاتَّبِعُونِي, suivez-moi. C'est-à-dire suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Donc, si on aime vraiment Allah, qui aime Allah? Levez la main. Et bien, celui qui aime vraiment Allah, et bien, il va obéir à tout ce qu'Allah lui a ordonné. Donc, dans le Coran, Allah, il t'a demandé des choses. Il t'a demandé de l'adorer, de lui obéir. Il t'a demandé d'être bon avec tes parents. Donc, est-ce que tu vas être gentil avec tes parents? Oui. Hein? Est-ce que tu vas obéir aussi à tes parents? Oui. Et tu obéis à tes parents tant que tes parents te demandent d'obéir à Allah. Mais si tes parents te disent de mentir, est-ce que tu dois obéir à tes parents? Non. Si tes parents te disent de voler? Non. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas obéir à tes parents s'ils te demandent de désobéir à Allah. Des fois, le téléphone, il sonne, et votre mère ou votre père, il va dire, « Décroche et dis que je ne suis pas là. » Est-ce que tu as le droit de faire ça? Non. Non, parce que ça, c'est du mensonge. Tu dis, « Ah non, moi, si je décroche, je dis que tu es là, parce que tu es là. » D'accord, les enfants? C'est pour cela que, comme on aime Allah, on obéit à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et automatiquement, si on fait des bonnes actions, Allah Azza wa Jal, il va nous aimer. Donc on lit maintenant, avant d'aller faire la prière, on lit « Je comprends ». Qui arrive à lire en bleu, en haut de la page, Zahra? Alors personne n'est plus généreux qu'Allah. Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui donne tout et personne ne peut donner comme Allah donne. Non, il n'est pas marqué il donne l'argent, il est marqué il donne largement sans compter. Allah Azza wa Jal, il donne tout sans compter. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est généreux. Oui. Quand je fais une bonne action, Allah me donne un bon temps. Donc quand je fais une bonne action, Allah me donne une hasanat. Répétez hasana. Hasanat. Et chaque hasanat, elle est multipliée par combien? Par 10, regardez, il est marqué, et des fois ça peut aller jusque 700. D'accord? Donc une hasanat, elle est multipliée, elle est multipliée. C'est pour cela que chaque jour, je dois faire au moins une hasanat. Chaque jour, je dois faire au moins une bonne action, quelque chose de bien, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala me récompense. Oui? Ça y est, on va faire la prière. Inch'Allah, après la prière. Après la prière, le cours sera terminé. Ça passe vite, hein? D'accord? Donc on lève les mains et on demande à Allah de nous aimer. Allahumma, Allahumma, inni as'aluk hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik.